Sorti lundi pour arriver vendredi, 6h30, 7h à souhait. Télésignal a présenté au journal Créole, Signal Actualité. Tout ça que dit, tout ça que fait actualité sans ouéter ni mettre, dans journal Créole, Signal Actualité. Signal Actualité, journal là, sous Télésignal. Bonsoir pour nous tous, bienvenue dans le journal Créole Télésignal Assoya. Mes différents points bien pour nous développer pour vous Assoya dans le journal. Le ministère de l'Éducation nationale toujours qu'un date 7 septembre qui venu là pour l'école ouvrir dans le pays d'Haïti. Le ministre Nesmi Maniga a garanti l'État haïtien a subventionné manuel scolaire. C'est 62% de la population haïtienne qui a accès à l'eau propre. Dans ce sens, l'ambassade américaine en Haïti a tête collée à l'accent de prévention et contrôle maladie moun capable de prendre. Honoré aujourd'hui, on dit n'est pas pour j'ai fait ça. Dans l'objectif pour permettre un programme cantine dans l'école atterrir dans le pays, le programme alimentaire mondial PAM à travers le programme national cantine scolaire. Démarré avec un atelier deux jours dans Pétionville sur politique alimentation dans l'école. Intégration agent réseau national officier santé dans le système a commencé dans le mois d'octobre qui a venu là, d'après le directeur général MSPP, Dr. Georges Dubuche. Nous prenons une pause, nous tournons pour le développement journal. Restez branchés. Nous histoire qui a la banque pour changer l'argent papier en pièces monnaie. Bonjour monsieur. Bonjour. T'as aimé changer l'argent ça yo en pièces monnaie s'il vous plaît. Désolé madame, pas de monnaie. Hein? Mes amis à toi, à qui sa banque ça utile même. Li pas jamais de monnaie, ça fait me songer problème de gain à qui on client. Client, pas de monnaie de goutte et demi, pour une tissurette pour passer dans bouche là. Chérie amour, c'est pas l'argent, mais monnaie en pièce c'est l'argent. C'est pas bon petit monnaie non. Comment on va le compléter comme camionnette là? Moi pas découragé non. Moi t'es passé dans une autre banque. Bonjour. Bonjour. C'est monnaie en pièce ou besoin? Mais banque qui fait travail li. M'a tout quitté l'autre banque qui pas bon service là. Merci en pile. Inquiète-toi belle madame. Nous là pour nous servir. Toujours marcher avec pièce monnaie. Comme ça, vous avez toujours payé sans que vous payiez, sans être ni mettre. Banque centrale de monnaie 5 cob, 20 cob, 50 cob, good, ak 5 good. Mande banque pour la, ba ou monnaie. C'est droit ou et c'est des voiles pour le servir. Pas de prix à nommer aucune banque. Parce que banque centrale baille toute banque monnaie. Nous retournons pour le développement journal. Merci d'être resté branché signal. Un atelier de jour démarré jeudi en Pétionville. C'est une initiative à ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle. Activité ça réunit acteurs qui travaillent dans le domaine, dans l'objectif pour dégager une seule vision sur quelques actions qui doivent mener pour améliorer la qualité de l'éducation qui est dans la classe préscolaire. Ludmila Marc, ensemble avec Céité sous place, a présenté un reportage. En suivre. Repenser qui gens enseignants yo doit accompagner ti moun qui nan niveau préscolaire yo nan pays a, c'est ça qui motive acteur qui nan système éducatif haïtien organiser des journées réflexion sa yo. Formation k ap bay nan niveau l'école préscolaire yo varier sorti nan yon l'école rive nan yon l'autre. Yon situation directrice bureau gestion éducation préscolaire yo nan ministère a déploré. La généralisation n'a jamais été faite, il y a pas eu d'harmonisation. On n'a pas parlé un seul langage et nous avons eu ces avancées, mais surtout au niveau du secteur non public. Initiative ça, ministère de l'Éducation nationale prend, vini après un constat par rapport à un manque d'accompagnement de tout le monde qui n'a niveau préscolaire ou pas joint. Pour arriver à résoudre le problème ça, ministre de l'Éducation nationale là, Nesmi Maniga, proposé. Nous décidons. Prend responsabilité pour que nous rendons disponible dans toute l'école ça yo curriculum que ministère là li
décider mettre en œuvre. Après deux journées de réflexion, le ministère de l'Éducation nationale envisage de faire chaque 10 000 écoles qui ont préscolaire là-dedans, une copie du curriculum qui est là-dedans, qui est pour accompagner les gens au niveau préscolaire dans le pays. C'est un guide qui a aidé à préparer les gens pour la classe fondamentale. Rentrer l'école là toujours kembe pour 7 septembre qui a venu là d'après ministre éducation nationale et formation professionnelle là. Nesme Maniga a expliqué si l'école là pas ouvri dans l'heure qui était prévu pour ça, l'a gain répercussion sur ti moun qui pas gain gros moyen yo. L'état haïtien a toujours prend disposition pour subventionner manuel scolaire yo d'après ministre Nesme Maniga qui était dans micro Ludmia Mark à qui vont seyid. Ça qui est important pour nous réaliser en pile pays dans Caraïbes là déjà ouvert l'école depuis 17 août. République dominicaine ouvert l'école La Cali depuis 17 août. Nous-mêmes, nous avons ouvert le 7 septembre, trois semaines plus tard. L'important pour nous réaliser que plus nous retardons entre l'école là, c'est plus les gens qui ont moins de moyens nous défavoriser. Plus nous retardons entre l'école là, c'est plus inégalité sociale, exclusion a grandi. En timoun dans le pays d'Haïti ou anti-haïtien avec timoun l'autre pays. Le nous est l'autre pays dans Caraïbes là a développé, a avancé et nous est jeunes là qui nous voulait quitter pays nous pour y aller travailler dans pays ça yo, prendre malhonnête dans pays ça yo, c'est parce que nous est trop retard dans l'école pas nous. En plus, année dernière à cause de grève, nous t'ai perdu équivalent un mois et demi l'école. Que même si nous avons reporté l'école là pour octobre, pour novembre, malheureusement, la situation du pays d'Haïti beaucoup va changer. Ce qui est important, c'est que nous baillons toute petite pays d'Haïti, même chance, même nombre de jours l'école. Et nous ne voulons pas faire plus bac toujours par rapport à Timoun, trois cas pays qui déjà rentré l'école déjà. Il y a un effort fait. Nous pas dit suffisant. Année ça, tant qu'année dernière, c'est 1 million de livres qui va le distribuer en dotation. Tant qu'année dernière, c'est 2 millions de livres que l'État va le subventionner à 70%. Nomination, arriéré salaire, accès pour crédit, assurance santé, c'est quelque parmi avantages sociaux Union nationale normalien haïtien UNO continue à demander pour enseignants. Coordonnateur communal Port-au-Prince, organisation et Ben Skader, dit le condamné comportement responsable dans le ministère de l'Éducation nationale. Il dit qu'il n'a pas respecté l'engagement en faveur des professeurs. Et Ben Skader est dans le micro, Michel Alexis et Ephésien Mathieu. L'engagé, les enseignants par rapport à avantages sociaux, ils ont dû bénéficier. Ça qui gagne, là, pas représenté, rien pas représenté, même 5%. Nous disons, le gouvernement a fait avancer, presque pas avancer nous dit. Si nous avons dit avancer que Nesmi a fait par rapport à tout engagement, nous avons évalué en termes de pourcentage, nous avons mis là 5%. 5% de 100%, ça veut dire 95% pas gagné qui fait. Question nomination enseignant qualifié, question arriéré salaire pour quantité enseignant, question crédit PAM non. Les professeurs là besoin et construire etc. réaliser ensemble de bail crédit PAM, li pas fonctionnel, li dysfonctionnel crédit PAM non. Si un professeur besoin faire un prêt actuellement là, li presque pas qu'à faire. Yo ka mettre pendant 3 4 5 6 mois, mais 3 4 5 6 mois. Li pas qu'à faire prêt. Si le malade actuellement là faire bénéficier de l'assurance santé algain. Donc ça veut dire sur ensemble de gros problèmes. Nous t'ai commencé poser. Nous avons continué à poser jusqu'à présent pour qu'on gagne satisfaction. Programme alimentaire mondial PAM à travers le programme national cantine scolaire démarré avec un atelier de jours sur politique alimentation dans l'école sur tout territoire national. C'est l'occasion pour différents acteurs dans le secteur de définir un plan tout neuf dans l'idée pour permettre le programme cantine dans l'école atterrir dans le pays. Plus précision avec Edzer Emile, consultant systématique pour un plus bon résultat dans l'éducation, qui est dans le micro Pierre Lunique Revenge avec Ephésien Mathieu. Il y a une soixantaine de monde qui est là, nous avons discuté, nous avons gardé ensemble jusqu'à demain comment nous sommes capables d'arriver à un système pour nous capables mieux évaluer, parce que si nous mieux évaluer, nous sommes capables de venir plus performants
dans ce que nous avons pour nous faire en termes d'alimentation scolaire. Donc, public, là, c'est un public à la fois des mondes qui viennent des ministères, mais également des partenaires techniques et financiers, des directeurs d'école qui l'ont tout, pour nous garder ensemble comment nous sommes capables d'évaluer ça qui gagne en termes d'institution, en termes de capacité financière, en termes de rôle communauté à jouer dans la question de cantine scolaire dans le pays d'Haïti, surtout à la veille de l'entrée scolaire qui va commencer là en septembre. Là. Donc, pour nous, encore une fois, c'est une occasion pour nous faire un état des lieux, pour nous garder qui ça qui marche, qui ça qui pas marche, pour nous capable d'avancer, d'être plus performant, d'être plus efficace et capable de toucher plus de monde pour capable arriver dans une meilleure éducation. Parce que nous croyons que l'alimentation scolaire là, est importante en pile parce que c'est une cause que les gens ne pas manger, les gens ne pas manger, c'est une cause que pas réussi, c'est une cause qui fait qu'on abandonne l'école. Donc nous croyons que et bataille pour éducation, bataille pour une meilleure éducation, doit passer par tout aspect ça. Donc, l'alimentation scolaire. Gouvernement américain à travers l'ambassade en Haïti, dans tête collée avec centre de prévention et contrôle maladie moun capable prendre CDC, honoré Jounen Madian, direction nationale de l'eau potable et assainissement d'INEPA, pour effort les faire dans le domaine de l'eau et assainissement dans le pays d'Haïti. Dans le cadre de la cérémonie dans l'ambassade États-Unis, dans le tabac, pour remettre prix ça, directeur général CDC David Lawrence croit que c'est un privilège pour l'institution pour accompagner DINEPA depuis 2010. Soubopal, directeur général DINEPA, exprimé contentement li pour appui technique et financier gouvernement américain en bail. Je tiens le micro, Michel Alexis et Max Joseph. La DINEPA a été choisie comme partenaire externe de l'année par le Centre de la santé globale de CDC parmi les centaines de partenaires de CDC répartis dans plus de 50 pays dans le monde, à travers le monde. Ce prix est réservé à une partenaire de CDC qui a contribué de manière extraordinaire à la santé publique en collaboration avec le gouvernement américain. La DINEPA a fait cet accomplissement en dépit de pénibles circonstances auxquelles elle a dû faire face. Ce fut pour CDC un privilège d'accompagner la DINEPA en y apportant son assistance technique depuis 2010 et un appui financier depuis 2011. Et plus encore de faire partie du travail remarquable qu'elle a réalisé durant ces cinq dernières années. Nous devons profiter de ce moment pour applaudir les nombreuses personnes impliquées dans la lutte pour l'amélioration de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement dans le monde entier. Je me réjouis au nom de la Direction nationale de l'eau potable et de l'assainissement d'INEPA de recevoir aujourd'hui de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en Haïti le prix attribué dans le cadre du partenariat d'INEPA-CDC. Ce prix récompense les efforts et initiatives entrepris durant ces dernières années dans le secteur de l'eau potable et de l'assainissement pour renforcer d'un côté la capacité d'intervention de la DINEPA et de l'autre améliorer la fourniture des services de l'institution à travers le pays. Cette distinction me donne une opportunité de plus pour féliciter le personnel de la DINEPA et l'encourager à œuvrer davantage au bénéfice de la population. Bon côté parle, l'ambassadeur américain dans le pays d'Haïti, Pamela Aina White, expliquait DINEPA qu'il y a une promesse li, la li bay 62% population a accès à l'eau potable dans un contexte li dit qui est difficile. Madame White déclarait li fière pour tête pays li contribuer dans améliorer la vie population haïtienne. Nan. Déclaration ambassadeur américain dans le pays d'Haïti, Pamela Aina White, dans micro Michel Alexis avec Max Joseph. Quel événement extraordinaire! Je suis vraiment heureuse d'être ici avec vous tous aujourd'hui, particulièrement au cours de mes dernières semaines en tant qu'ambassadeur. Je chérisse les moments comme celui-ci. Je me rappelle avoir entendu parler de DINEPA il y a quelques années de cela et de toutes les bonnes choses qu'elle accomplirait et les services qu'elle offrirait. Et pour vous dire franchement, je ne croyais pas vraiment que c'était possible. DINEPA, vous avez tenu
vos promesses et concrétisé vos plans. Vous avez changé vos idées en actions, en augmentant le nombre d'Haïtiens qui ont aujourd'hui accès à l'eau potable, un chiffre qui a passé de 52 personnes en 2008 à 62 personnes en 2014. Mes amis, ceci ne paraît peut-être pas une augmentation considérable, mais le fait est que la DNEPA a accompli cet effort au cours d'une période extrêmement difficile où il fallait gérer la situation à laquelle le pays faisait face après le tremblement de terre et la pandémie de choléra. Ça, c'est quelque chose, je vous dis, extraordinaire. Il y a une vieille diction que j'aime. Si vous allez aller vite, allez-y seul. Si vous voulez aller loin, allez-y ensemble. Cette récompense que célèbre le partenariat contre le DNEPA et les centres de contrôle des prévention des maladies, le CDC, traduit bien ce diction. Perdu la vie parmi eux, une femme enceinte, 216 autres infectés. C'est bilan officiel, une fièvre malaria qui a frappé 4e section communale Beaumont. D'après l'autorité santé dans le pays, c'est un madelot et moustique qui est à la base de l'épidémie. Pour le ministère de la Santé publique et la population, déjà bien contrôle la situation. D'après le directeur général, Dr. Georges Dubuche, qui était dans le micro, Pierre Lunique Revenge et Max Joseph. Tout le monde sera eux. Que nous dépistons positif, nous traitons immédiatement, nous baillons les médicaments et nous gagnons pile là-dedans, et c'est ça qui va nous permettre plus ou moins faire diminuer, à faire que ces magies ou bien sorcellerie, c'est que nous avons des gens qui sont debout sous deux pieds, qui ont retourné à la caille. Puis nous avons une panique dans la communauté, nous avons couru descendre, nous avons pile Cal Jérémy, nous avons vu Beaumont, parce que nous connaissons un diable qui va manger. Chiffre là pour arriver, c'est 41 moun yo besoin pour camion. Donc c'est le on prend nous compte que nécessité pour éducation sanitaire fait un petit peu plus profondément dans zone là parce que en général et ça nous même nous gèt attaqué directement c'est détruit gîte là vers là côté que et mon cycle a proliféré et nous pral entrer dans peut-être fumigation en série de zones pour essayer aider moun là. Mais le principal bagage là, c'est d'abord que les gens, dès que vous avez un symptôme quelconque, ouais, de fièvre, avec mal de tête, ouais, peut-être fait mal, que vous venez dans le centre de santé là, immédiatement, là, ça nous a évalué et nous fait traitement pour vous. Après un mouvement de protestation, agent réseau national officier santé a été organisé devant le local ministère santé publique hier lundi pour exiger l'intégration dans le système santé haïtien. Directeur général MSPP a bail garanti dossier ça déjà arrivé joindre ministère finance pendant qu'il fait connaître le processus d'intégration a commencé à partir du mois d'octobre cap venir là. Dit dans micro Pierre Lunique Revenge avec Max Joseph. À partir d'octobre, parce que nous chita avec le ministère des Finances sous question ça, dans l'élaboration du nouveau budget national. Là. Et le ministre Santé publique là, lui présenter argumentaire là de manière détaillée et lui bien reçu par le ministère des Finances. D'ailleurs, ce n'est pas seulement le ministère des Finances qui était là dans la présentation ça. La plupart des ministères étaient là et étaient comprendre pour qui ça que le ministère Santé publique a demandé des crédits budgétaires additionnels, c'est peut-être pour nous entrer à l'intérieur du système, plus personnel, prestataire de services, pour nous couvrir la population. Imaginons qu'avant, c'est 60% qu'on a couvert, et bien, qu'on y a dit qu'on a aimé couvrir 100%. Donc, ce n'est pas facile qu'on soit capable de dire brusquement, pour avoir des ressources pour faire ça, nous pour aller pas à pas, et nous avons un délai pour nous arriver à ça, mais à partir d'octobre, tout agent de santé communautaire polyvalent que nous avons formé, tout auxiliaire infirmière polyvalent, ils pourront recevoir effectivement des contrats qui pourront permettre que vous gagnez un salaire régulier. Moi, août et septembre, ça déjà, nous pourrons prendre en compte pour nous garder comment nous sommes capables de résoudre le problème, parce que nous avons quitté tête nous devons chaud. Jusqu'à ce que c'est venu faire manifestation devant le ministère. Ce n'est pas ça qui va résoudre le problème. Le problème, c'est tête fraîche qu'on a résolu, qu'on chita pour faire planification, pour
côté ressources là sorti, est-ce qu'on va couvrir tout le monde et pour pas faire de fausses promesses pour qu'on ait ça à partir de telle date, là ça on connaît tout ça qu'on formé déjà yo, ou capable entrer dans le projet. L'autre nouvelle qui concerne l'élection, RNDDH, Conseil national observation électorale, le Conseil haïtien acteur qui est dans l'État, recommandé Conseil électoral provisoire pour faire une bonne évaluation sur la journée électorale 9 d'août passé. Recommandation SAIO entre dans le cadre de rapport ensemble organisation SAIO a présenté jeudi matin sur observation qui a été réalisée pendant le premier tour élection. Plus de détails avec Gédéon Jean dans le micro Wesley Antoine à Wendy Henry. Puis c'est ça que nous connaissons là. Vous gagnez des partis politiques qui gagnent un mandat et quelques jours à l'avance. En revanche, en grande partie, les partis politiques n'ont pas de mandat. Et même nous, même en tant qu'institution qui a observé l'élection, eh bien, c'était vraiment en pile difficulté pour nous arriver à gagner une quantité 4. Donc, nous n'avons pas de gagner toutes les 4 que nous avons demandé. Donc, ça, c'est son premier élément qui intéresse nous, puisque question observation, il n'y a aucun même de combat ça pour nous capable de mettre Haïti sur le rail de la démocratie. Donc, nous ne pouvons pas quitter la question, ça vraiment légal, voter que des organisations bidons qui n'ont rien à voir avec l'observation électorale et que eux-mêmes, ils ont gagné une quantité 4 qui offre dans des conditions que nous-mêmes nous connaissons. Deuxième élément qui est dans la recommandation rapport CNO-RNDDH, nous demandons pour qu'il y ait une évaluation approfondie du processus électoral, puisque le processus dans son ensemble doit être évalué en raison de tout ça que nous connaissons, irrégularité que ce soit dans la question livraison 4, mais également au sein même du conseil électoral par rapport à responsabilité chaque monde gagné. Donc, faut processus en réévaluer, évaluation au niveau de l'institution électorale et évaluation par rapport aux différents acteurs qui sont impliqués dans le processus électoral. Troisième point qui est dans les recommandations Conan, CNO, RNDDH, FEO, nous demandons pour autorité judiciaire de servir contre toute personne qui est impliquée dans le dévoiement délibéré du processus ou encore dans la perpétration d'actes de violence. Résultat préliminaire, premier tour élection législative, plus en faveur candidat qui a fait violence et fraude dans l'élection. D'après directeur exécutif RNDDH, Pierre Espérance, qui critiquait méthode conseil électoral provisoire utilisée pour éliminer son vote qui gagne irrégularité. Lité dans le micro, Wesley Antoine, à qui vous et nous dit, ça nous constate jour 9 d'août 2015, il n'y a pas semblé du tout avec l'élection. Essayons à quoi pour la démocratie en Haïti. Côté que, ouais, bandits, délinquants, c'est violence, c'est fraude massive, c'est intimidation que yo utilisé pour yo gagner élection. Stratégie qui a été utilisée jour 9 d'août là, bien sûr avec complicité la force publique et la justice. Et ben côté yo estimé que yo pas mené, il a écrasé et centre de vote yo. Et n'a dit encore puis moun qui sorti gagnant dans l'élection ça yo, c'est moun si là yo qui t'a utilisé violence. Et on pral wè que parlement Jean Noël bagay la a vinn la journée jodi an parlement ko pral gen la li capable son parlement des repères des bandits côté quoi vient des dealers de drogue des kidnappers des criminels notoires la dan. Chapitre la Kilti, direction programmation et événement dans la 12e édition Carifesta présenté ensemble programme qui a déroulé dans la 5e journée activité. Directeur Strictissa, Georges Siméon expliquait tout bagay a bien déroulé. Il était dans le micro, Ludmilla Marc avec David Samis François. On a bien Divers Flash MOB Tendance de la Jamaïque. On a bien Wesley, le président du Canada. Ça, c'est le programme kiosque pour aujourd'hui. Théâtre national, on a bien Gary Funa Collection, c'est un groupe de la Belize. On a bien Danse traditionnelle Bélé de la Martinique. On a bien la danse de Guadeloupe dans le Théâtre national. Dans Triomphe, on signe à l'event, c'est 21 inches Lanchon, son spectacle de danse créative, organisé et présenté par le directeur de l'ethnologie, Hérol Josué. Dans Triomphe, bien sûr, au cours de la journée, nous avons une visite d'exposition, exhibit de Maxence Denis, de Marie-Louise Fouchard, de Mario Benjamin, tout ça dans Triomphe au cours de la journée. BNE toujours ouvert pour exposition
terre Haïti tout le commencement et nous gagnons Youth Village. L'ancien sportif Kafou. Aujourd'hui, nous avons Bingo Night organisé par Kafou Boujoli avec T-Vice en performance. La place Boyer, nous avons Land Ship Trucking Space Bank de la Barbade. Nous avons un concert Supernova de Trinidad et Tobago. Nous avons Karimi pour Haïti, ambiance de Haïti. Et nous avons 168 Ben de Barbade ainsi que Virgin Fire. Place du palais municipal de Delmar, nous avons Soka Ben de Antigua. La grande soliste de Anguilla, la Riva Persil, en chanteuse de USA, la Zafir Adams et Bello, qui a présenté Haïti, et Regine Fire de la Jamaïque. Pas oublier, nous avons toutes les galeries, Galerie Nader, Galerie Mupana, Saint-Podium, la Bibliothèque Nationale, nous avons Enart, Villa Thérèse, Hôtel Marriott, Galerie Marassa et Galerie d'Art Expression, qui a présenté des expositions de nos fêtes et des fêtes étrangères. C'est avec dossier Carifesta, nous avons mis un bout à ce journal avant d'aller rappel titio. Ministère de l'Éducation nationale toujours qui est date 7 septembre qui est venu là pour l'école ouvrir dans le pays d'Haïti. Ministre Nesmi Maniga a garanti l'État haïtien a subventionné manuel scolaire. C'est 62% de la population haïtienne qui a accès à l'eau propre. Dans ce sens, l'ambassade américaine en Haïti a tête collée accent de prévention et contrôle maladie moun capable de prendre au CDC. Honoré jeudi, dîner pas pour j'efforce ça. Dans l'objectif, pour permettre le programme cantine dans l'école atterrir dans le pays, le programme alimentaire mondial PAM, à travers le programme national cantine scolaire, démarré avec un atelier deux jours dans Pétionville sur politique alimentation dans l'école. Dernier point nous avons développé pour vous, intégration agent réseau national officier santé dans le système non a commencé dans le mois octobre qui vient là d'après directeur général MSPP. Merci à tout le monde qui t'a suivi nous, n'a pas rendez-vous demain pour une autre édition nouvelle en créole sur Télésignal. Restez branchés.